Classe égale à HRL Teddy Riner était un de nos principaux espoirs de médailles olympiques. Il en a ramené deux nouvelles. Une de bronze et une en or, assortie de primes versées par l'État. Qu'en fera le judoka? Réponse nette et sans bavure. C'est au JDD que Teddy Riner a révélé son projet. Grâce à ces deux médailles, le bronze obtenu en individuel et l'or en équipe mixte. L'athlète de 32 ans percevra deux primes de 15 000 et de 65 000 euros. Leur montant a augmenté par rapport à l'édition 2016 des Jeux Olympiques. À Rio de Janeiro, Teddy avait remporté la médaille d'or dans la catégorie plus 100 kg. Conservant ainsi son titre obtenu à Londres en 2012. Je vais verser cet argent sur un compte bancaire bloqué pour l'avenir de mes enfants. A tout simplement répondu Teddy Riner au JDD concernant ses 80 000 euros de primes. Comme le papa d'Eden et Isis, âgés de 7 et 2 ans, 21 autres médaillés olympiques français ont confié leurs intentions à l'hebdomadaire. Voyage, cadeaux, projet de déménagement et dons figurent sur les listes des champions. Les Jeux olympiques de Tokyo ont commencé le 23 juillet dernier et pris fin ce dimanche 8 août. La France a terminé 8e au classement des nations les plus titrées, avec 33 médailles, 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Les États-Unis avec 113 médailles dont 39 en or. La Chine avec 88 médailles dont 38 en or et le Japon, pays hôte, avec 58 médailles dont 27 en or, forment le podium. Teddy Riner s'était méticuleusement préparé pour cette échéance, en s'envolant pour la Guadeloupe avec sa famille. Le judoka s'est secrètement remis d'une blessure et avait perdu près de 30 kg grâce à un régime spécifique. Il a célébré ses nouveaux titres olympiques et son retour en France par un bain de foule au Trocadéro. À Paris, sa compagne Lutna Plocu et son père Moïse Riner étaient également présents.